Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rosa. Rosa. Des esclaves. Vous êtes là pour obéir comme des chiens. Est-ce que tu vas décider de tu? Comment tu t'appelles? Imbécile! Vous voyez? Eddie! Eddie, c'est ton nom! Comment tu t'appelles? Eddie! Vous voyez cette scope? Eddie! Venez quoi? Voilà. Arrête de bouger. Qu'est-ce que je fais là? J'ai pas être ici. Arrête de bouger. Laisse-moi regarder ton bras. Arrête de bouger. Doucement. Mais tu fais mal. Je sais. Arrête de bouger. Pourquoi tous ces gens sont enchaînés comme ça? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. On appartient à l'homme le plus puissant de la région. On est ici pour travailler pour lui. Tu es ici pour travailler pour lui. Tous ces gens-là sont ici pour travailler. Je ne peux pas rester ici. Il faut que je pars. Il faut vraiment que je pars. D'où viens-tu? Toi, d'où viens-tu? Je m'appelle Nzuri, fille de Djuma. Je viens de mon île. Mais depuis quand tous ces gens sont enchaînés comme ça? Je sais pas. Mais pour moi, ça fait déjà 23 jours que je suis ici. Je suis venue avec ma mère. Mais... elle reste dans la grande maison du grand sultan qui se trouve au village. Pourquoi quand tu parles, tu tiens toujours ce tissu jaune sur ta main? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? C'est mon père qui me l'a donné quand j'ai eu 12 ans. Il est mort. C'était un guerrier pour sa majesté à mon nom. Je dois partir d'ici. Faut que je parte. Comment puis-je faire pour partir d'ici? Partir?
Pour aller où? Je ne peux pas partir d'ici. Personne ne peut partir d'ici. Si tu essayes de partir, on va te jeter dans le pingan. C'est comme ça pour l'année. À manger! C'est l'heure de manger. Tenez, tenez. Non, merci, monsieur. Jeune homme, est-ce vraiment toi? Tu me reconnais, monsieur? C'est moi, Machouli. Ne me dis pas que tu ne te rappelles pas de moi. Non. Si, si, je me rappelle très bien de toi. Mais que fais-tu ici, toi aussi? Ah, l'ami. Ton grand-père m'a envoyé ici pour travailler en tant que cuisinier. Attends, tu... Voilà. Tu le connais? Que je le... Évidemment que je le connais. Et cet homme-là sera très important dans les années à venir. Je ne comprends pas. Pourquoi mon grand-père a envoyé des gens ici? Ces gens-là souffrent, mon ami. Mais je vois aussi que tu as la main blessée. Ah, l'ami. Écoute, faut que je lui parle. Et qu'il comprenne qui suis-je vraiment. Attends, attends. Peut-être il va me relâcher. Stop! Tu ne peux pas faire ça. Et même si tu le fais, personne ne te croira. Le croire? Mais le croire en quoi? C'est le petit-fils. Oh! Maître, ce jeune homme, il est blessé au bras. Oh! Avance! Tu as fini? Tu rentres? Sale nec! Oh! Oh mon Dieu, il arrive. Il arrive. Je vous ai dit de ne pas trop parler. Monsieur! Oh! Qui t'a dit de parler? Monsieur! Oh! Qui t'a dit de me parler? Non. Toi! Vous parliez de quoi là? Toi! Les nègres! Allez, viens! Viens, monsieur! Personne! Les nègres! Je vous ai dit de ne pas parler! Je vais te faire un bébé devant tout le monde! Lâche-le! Regardez-moi! Lâche-le! Lâche-le! Quoi? T'as dit quoi? Je dis lâche-le! Comme ça. J'ai bien dit personne. Et ça ne sera plus pareil.
car cette fois-ci, je veux me battre pour la liberté. Je suis le petit-fils de M'sa Foumouin. Et il n'y aura plus d'esclavagisme au Comore. Plus jamais. Alors, dites-moi, qui est prêt à se battre avec moi? Qui est prêt à se battre pour la liberté? Toi! Toi! Non! Personne! Qui veut être libre? Moi. Moi. Aye, mwana mina wanyangwe mlalaje. Aye, mwana mina wanyangwe ya. Aye, mwana mina wanyangwe mlalaje. Mkuni nare majana wanyangwe ya. Tireme ya mwana mina wanyangwe mlalaje. Aye, mwana mina wanyangwe ya. Aye, mwana mina wanyangwe mlalaje. Sabubahe, sabubahe wanyangwe ya. Mwana mina wabaraka wanyangwe mlalaje. Aye mwana mina wanyangwe ya. Aye mwana mina wanyangwe mlalaje. Ulilia niweleze wanyangwe ya. Nje mana urende ya wanyangwe mlalaje. Aye mwana mina wanyangwe ya. Aye mwana mina wanyangwe mlalaje. Kazi jumuzi milize wanyangwe ya. Tiko sanena wandro wanyangwe mlalaje.